Major Force Episode 5, The Bastion Seer. In 2106, a weapon made by alien intelligence was discovered orbiting the solar system beyond Pluto. Its name was Bastion Seer, or Bastille. In 2139, a large, unmanned, artificial island called Babel, controlled by an artificial intelligence known as the Guardian, was constructed in the South Pacific Ocean as a facility for research into Bastille technology. In 2150, the Guardian, which had gained independent self-consciousness, suddenly declared war on the Earth and its race unknown. In the first time against the Earth's enemies had created the Bastille technology, humanity suffered a crushing defeat. Then the Special Flight Squadron, Thunder Force, formed for the sole purpose of destroying Babel and the Guardian. The next operation and access to the shelter of survival of the humanity. Bonjour à tous, c'est Alex du Québec pour un test sur Thunder Force 5 Perfect System sur PlayStation 1, un jeu édité par Technosoft et développé par Technosoft, un jeu shoot 'n up qui a sorti en 97-98. C'est un jeu de tir qui vous invite à prendre les commandes d'un vaisseau surpuissant pour repousser l'attaque alien qui se dirige sur Terre. Restez en vie en utilisant 5 différentes armes, améliorez-les en ramassant les bonus qui vous permettent d'exterminer plus simplement l'invasion extraterrestre. Et voilà, on va commencer directement ce test sur PlayStation 1, sur Thunder Force 5 Perfect System. Et voilà, pour commencer, nous allons aller à Options. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup d'options pour un jeu de shoot 'em up. Et voilà, on va aller dans les configs 1. C'est la difficulté, les continues, la vitesse du vaisseau, le son et la musique. Et voilà, les options de base. Ensuite de ça, la vibration, l'autosave, les boutons, le son et le ranking. Bon. On va commencer directement une partie. On a aussi le digital viewer. Et voilà. Bon. Et voilà. Bon. Course select. On a le choix de choisir nos niveaux. Sauf que nous, on va les prendre en ordre. Et voilà. Le premier, le deuxième et le troisième. Et voilà. Je l'ai pris à la difficulté normale. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Je ne l'ai jamais terminé. J'en ai tellement que je peux pas toutes les torcher. Voilà. Un beau 2D, un 3D, semi-3D, et voilà. Ah putain, je perds une vie en partant. On a le choix de 5 armes qu'on peut monter jusqu'au level 3, je crois. Et voilà, on change nos armes avec le R1 ou le L2. Ah putain, fait chier. Et voilà. Très bien foutu, et voilà, on va aller dans l'eau, on va se déstaloper, il y a un gros serpent des mers, et voilà, on s'en connaît, ok. Attention, pas se faire choper, parce qu'il me reste déjà juste une vie, et on est au début, et voilà. Ensuite de ça, un très bon jeu de shoot'em up, rien à dire. Sur Sega Saturn, en occasion, il vaut 99€. Je ne sais pas au PlayStation 1 combien qu'il vaut. Là, moi, j'ai la version PlayStation 1. Voilà. Ensuite de ça, on peut choper des items. Et voilà, j'ai récupéré un autre arme qui auto-target les ennemis quand il va dans le rayon vert. Voilà. Ce n'est pas mon préféré. Ok, on attention. Voilà, les saletés de missiles. Voilà. Tiens. On va se choper les saletés. Oh, putain. Je suis mort. Attention, c'est ma dernière vie.
Oh putain, je fais chier. Ça y est, c'est pas grave, on va retenter. J'aurais dû le prendre à facile. Voilà. Et oui, on va continuer. Il nous reste 3 continues. Et voilà. Petit loading de merde. Bon, pas trop long. Et voilà. Bon, ce coup-ci, on fera pas le kamikaze. On va se concentrer. Oh oui, j'ai oublié de vous dire qu'avec le rond, en appuyant sur le rond, on peut changer notre vitesse. Comme quand... Oh putain! On voit en haut, à gauche, le speed. Et voilà, 75, 100% ou 50. Ça y est, c'est la fête. Tout se bien de mourir, c'est pas grave. Voilà, quand on va aller plus vite, on met à speed. Je sens que je vais le recommencer à facile parce que on se rendra pas loin dans cette vidéo, les potes. Et voilà. Bon, on va aller aux options et on va le prendre à facile. Allez, putain. Et voilà, et oui, on est game over, c'est pas grave. Et voilà. Et oui, en tout il y a 7 niveaux dans ce jeu, et voilà, avec une musique bien remplie, bien bonne, une musique techno, et voilà, on écrit n'importe quoi. Je sens que ça va être une vidéo de merde, mais c'est pas grave. Comme toujours, je le fais pour le fun, je le fais pour moi, parce que j'aime vous montrer les vidéos. Bon, on va aller action. Allez putain. Voilà, comme film, on va le prendre à training. Et voilà, je sais pas si ça... Eh oui, et voilà. Ce coup-ci, on va se concentrer. Parce que même à moyen, le jeu, il est quand même dur. Et voilà, faut dire que j'ai pas joué beaucoup à ce jeu. J'en ai tellement, comme je vous dis. Faudrait bien que je le torche un jour. Voilà, bon, là on est à facile. Comme je vous disais, avant de mourir, on peut changer la vitesse de notre vaisseau avec le rang. On a 3 vitesses, 50%, 75% et 100% pour aller plus vite. Tout de ça, nous avons 5 armes qu'on peut changer. Ben, pour le moment, on a rien que 2. On va en choper, voilà, j'ai chopé les boulettes mortes. On peut changer les armes avec le R1 et R2. Voilà. Tout de ça, on a un spécial avec le carré pour chaque arme. Et voilà, on va essayer de tuer ce gros connard. Fait penser à Léviathan un peu. Et voilà, oh putain, c'est chanceux. Et voilà, pas été trop long ce coup-ci. C'est normal. On est à training, la difficulté de training. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer au moins les 3 niveaux si je vais avoir le temps. Voilà, ensuite de ça, on a notre jauge de score en haut à gauche. Et où est-ce qu'on choisit notre arme? C'est le twin shot. Ensuite de ça, on a le back shot. On a le wave et le hustler. Il m'en manque une. Et on peut les monter jusqu'au level 3 chaque arme. Et en plus de ça, avec le carré, il y a une superbe... un super pouvoir pour chaque arme, évidemment. On a 3 vies. Oh putain! Attention, ça y est. Je vais choper comme un con. Faudrait que je prenne mon arme pour la faire. Mais chien, putain. On est rendu au boss. Voilà. On va le buter. Ça sent pas trop long. Ce gros fumier de merde. Voilà. Assez bien foutu. Voilà, prends ça, connard. Voilà. On va prendre cette arme. Et voilà. Assez bien fait, et voilà, on l'a pété sa première transformation. Si vous pensez qu'il est mort, et non les potes, ce n'est pas fini. Voilà, c'est mal foutu, l'effet dans l'eau, c'est pas grave, c'est un jeu 97-98, rien à dire, on peut pas chialer. Voilà, voilà, excellent jeu, rien à dire, je recommande à tous ceux qui aiment les shoot'n'up, même si je ne l'ai pas torché. Il est assez... Oh putain, et voilà. Il est assez beau à regarder. Une bonne musique, un bon gameplay. Voilà. On a eu le premier niveau. On va aller immédiatement dans le deuxième niveau qui est le bois. Et voilà. Voilà.
changement de musique, nouvelle créature, avec un fond d'air assez mal foutu, et voilà, assez laid pour la PlayStation, mais c'est pas grave, voilà, et putain, je vais essayer de me rendre au deuxième boss avant la fin de ce test, un test très rapide, comme j'ai dit, ça va être une vidéo de merde, mais c'est pas grave, qu'est-ce qui compte, c'est quand je me fais du fun quand je fais des vidéos, oh, putain, attention, et en même temps, ça plaît à tous ceux qui aiment mes vidéos, voilà. Bon, on est rendu dans la forêt. Faire attention, pas se faire choper par ce genre de créature avec ses grands bras de mon... Oh putain! J'ai dit faut faire attention, pas se faire buter par ce con. Voilà, ça connard! Bon, on va choper des items, et voilà. Des genres de grosses, je dirais pas le mot. Voilà, attention. Assez varié comme niveau dans ce jeu. Voilà. Moi j'ai juste joué dans les trois premiers niveaux. J'ai pas fait les sept niveaux, et non. Voilà, faire attention. Faut pas que ces saletés de testicules me tombent sur la tête. Et voilà, je l'ai dit le mot. On a dit des chenolles. Et voilà. Yeah, attention. Voilà, on a une grosse poche qui dégouline. Et voilà. Voilà, on va péter ces boutons pleins de pus. Je sais pas les noms de ces créatures, mais c'est pas grave, j'en ai inventé. Bon, c'est à vous de se rendre au boss de ce deuxième niveau, et voilà, danger. C'est une petite bestiole, assez bien foutue. L'animation des insectes, robotique, je sais pas trop. Voilà, attention. Il me reste deux vies. Attention. Ah putain! Ça y est, il me reste une putain de vie. Là, je fais attention. Ah putain! Ça y est, ça fait chier, putain de merde! Putain de merde! Voilà. Ça fait une plante carnivore. Putain, ça y est, j'ai chopé mon web. Un arme assez beau. Et assez puissant en même temps, et voilà. Oh putain, fais chier les potes, je suis mort. J'ai pas eu le temps de me rendre à la fin de ce niveau. C'est pas grave, on va retenter. Voilà, on a trois continues. Et voilà. Allez putain. Ça y est. On recommence le deuxième niveau. Ce coup-ci, je vais me concentrer. Et puis, ceci dit, ça va être la fin du test sur Thunder Force 5 sur PlayStation 1. Un jeu édité par Technosoft et développé par Technosoft. Ça a sorti en 97-98. Et puis, je vais essayer de terminer le niveau. Et je vous remercie à tous. Et je vous laisse sur ces images. Et à la prochaine !